Scrum, c'est une aventure assez particulière puisqu'en fait, on est une bande d'amis anti-guyanais à Paris. On se voit régulièrement en studio ou sur des scènes pour faire du backing band ou des projets, voilà. Et un peu avant le confinement, alors, personne ne l'attendait ce confinement, on avait un petit concert privé qu'on devait faire. Et puis le confinement est arrivé. Et du coup, on a discuté, on a eu cette idée de monter, de faire cette reprise de Pas besoin de parler de Kassav, mais sans aucune prétention. C'était vraiment juste histoire de rompre avec la monotonie. Poser ta voix dessus. Je dis, ouais, ok, d'accord, c'est quoi le titre? Pas besoin de parler. Donc voilà, Laurie qui chante, etc. Et moi, machin, je prends la partie de Jean-Philippe Martelly. Il me dit, enregistre la partie de Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi. Donc je fais tout ça. Je me filme. Et puis j'ai un micro, le micro du téléphone, le micro casque. J'enregistre ça, je lui envoie. Il me dit, ouais, le son n'est pas bon, mais il fait de la magie. Je sais pas, c'est un magicien, lui. Si c'est parce que le monde a servi de. J'ai appelé Guy André, ils n'étaient pas dans le groupe de base. Et au moment de sortir la chanson, j'ai fait une surprise à ce qui était prévu. Et je lui envoie une vidéo où je suis en train de me mimer, en train de chanter. Il fait un montage et c'est comme ça que naît le premier cover de Pas besoin de parler. Ils ont été surpris, ils ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? On ne s'attendait pas à ça et tout. Et il fallait trouver un nom. Et Guy André avait ce nom en tête, Gikan. Il faut que ça sonne Caraïbe. Il faut que les gens, quand ils entendent Gikan, qu'ils voyagent et que tout de suite ils sont transportés. Parce que nous, il faut savoir qu'on vit en France et donc on a cette nostalgie du pays, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qui sont les trois composantes de ce groupe. Tina guyanaise, Greg guadeloupéen et moi martiniquais. Et Gikan, ça paraissait une évidence. Donc on voyage, on est tout de suite dans la Caraïbe. Les gens aiment bien, moi j'adore. Moi je suis fier de ce que j'ai trouvé. Gikan, adopté, validé. Gikan pour vous ce soir. Banou l'en met un. L'évolution de la musique de Gikan, bah écoute, c'est tout simple. Hein. Du zouk, mais avec vraiment une pêche à lever toutes les personnes qui ne voulaient plus se lever. Et puis même ceux qui sont. Non, j'allais dire une bêtise. Je vais rester sur ça. On est là, on veut que les gens s'amusent, on veut que les gens soient heureux. Et c'est notre musique, c'est ce qu'elle véhicule. C'est diverti la terre par des livres différents. Tout est bien ensemble, tout est calé et ensemble. Pas des lignes qui pètent et traitent mon chant. Tout est calé ensemble, parce que tout est bien ensemble.
Sur YouTube, c'est-à-dire que sur chaque média, on avait vraiment fait un carton, on ne s'y attendait pas. Mais ce faisant, l'idée a commencé à germer. Et si on faisait quelque chose vraiment? Pourquoi être juste un concept, on va dire, j'aime pas le mot concept, mais pourquoi être un concept que pour le confinement? Et si on faisait mieux? On va vous entendre! Avec les mains! Avec les mains, s'il vous plaît, on y va! Quand on a débarqué comme ça, jamais je me serais dit un jour tu vas faire partie d'un groupe, mais jamais. Hein. Et quand on a débarqué comme ça dans ma vie, c'était vraiment, bah, je crois que tous les membres du groupe, hein, on a tous pensé ça, parce que à la base c'était un délire. Et de voir que les gens le réclament et tout, donc je me suis retrouvée à être dans un groupe, je me suis dit ok. En plus, entourée de 8 très très bons, confirmés musiciens, chanteurs, enfin voilà, et c'est vraiment une toute nouvelle aventure pour moi. Alors, au départ, il y avait juste Laurent Tulle qui est le pianiste, qui faisait partie de la formation donc, de ce concert qui a été annulé pendant le confinement. Mais il me dit, mais Ali, tu sais, j'ai mon neveu qui fait de la batterie. C'est ton neveu, ouais. Ah bon, Thomas, c'est ton neveu? Parce que je sais qu'ils sont de la même famille, mais oui, Thomas, c'est mon neveu, et c'est Thomas Bellon, le batteur, qui est donc batteur de J-Con, mais qui est aussi connu pour avoir joué dans plusieurs groupes, dont un petit groupe de Zouk. Enfin, ça fait comme quelques années qu'il joue dedans, c'est un groupe qui s'appelle Cassav. Voilà, c'est le batteur de Cassav. Attends, pour nous, il nous fallait un chanteur guadeloupéen. On a le chanteur martiniquais, Guy André, on a la Guyane avec Tinali, et nous fallait la Guadeloupe, obligatoirement, et c'est là que j'ai fait appel à Grix. Le New Morning, bonsoir. Ça va toujours? Bonsoir le New Morning, est-ce que bienvenue ça va? Bienvenue dans l'univers de J-Con. Elle l'a dit elle-même. Bienvenue dans le monde de J-Con. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Le début, c'était le début. Le milieu, c'est maintenant. Alors justement, alors ça a commencé depuis le Covid. Comment on garde cette énergie? Parce qu'on est parti en fait quelque part sur une idée où on se dit qu'on est en mission. Donc qui dit mission dit qu'il faut avoir de la patience et être encore sur le terrain. Donc on est là encore, tu vois, aujourd'hui, comme tu dis. Ça fait quoi maintenant? Ça fait peut-être 3 ans après, quoi. Et ça n'a même pas encore vraiment commencé. Grette, troisième chanteur du groupe J-Con, le petit Guadeloupéen du groupe. Ali Angel m'a parlé un jour de vouloir si je voulais intégrer le groupe, tout simplement. J'ai réfléchi, après coup, ouais, je me suis dit pourquoi pas. L'aventure est belle. C'est un truc qui me concerne directement, de par le live, de par le zouk, de par ce que je me vois défendre et tout simplement, quand il m'a demandé ça, je me suis dit « Ah non !» On y va. Yeah.
Binoula. Binoula. Et à vous. Binoula. Magnifique. Binoula. Encore une fois. Binoula. Greg, qui est un chanteur guadeloupéen que je connais depuis plus de 10 ans à Paris, on travaille régulièrement, mais très régulièrement ensemble. C'est un arrangeur de vocal très demandé là-bas et un super interprète qui a un univers déjà personnel développé autour du Zouk Live, autour de Zouk Chiré, donc ça collait parfaitement. Hey, la boîte là. Allez, allez en jet, allez en fait. Forcément, moi j'aime avoir un groupe à deux guitares. J'ai toujours rêvé de ça. Donc forcément, j'appelle mon acolyte Alex Cabi. Alex Cabi qui est carrément le meilleur guitariste aujourd'hui dans le milieu antillais, considéré en tout cas comme le plus polyvalent, un vrai showman. De Tina, ça fait 20 ans d'amitié, 20 ans de collaboration. On vient de fêter ses 20 ans de carrière, 20 ans du titre Sans Tricher, c'était le début de notre collaboration avec le titre Sans Tricher. Donc forcément, quand il y a le confinement, c'est elle que j'appelle pour venir chanter avec nous. Je suis le 9e mec. Je ne me considère pas du tout une femme, enfin différente des gars, quoi, en fait. D'ailleurs, à chaque fois, au tout début, je connaissais pas, il y en avait que je connaissais pas très bien, comme Laurent Tulle, que je découvrais, et je disais, ne te fie pas à cette enveloppe, petite poupée, girly, parce que en fait, tu vas très vite voir qu'au niveau de mon caractère, je suis carrément à l'opposé de l'image. Voilà. Et effectivement, ma place, les gars, non, c'est vrai qu'ils sont très très bienveillants avec moi, mais ils me traitent pas comme, on est vraiment à égalité. Et puis en même temps, je le montre aussi que, moi, je fais les mêmes blagues aussi pourries qu'eux, je me prends pas la tête. Je pense que j'ai vraiment réussi à trouver ma place avec eux et comme j'ai dit, 9e mec. Si je devais raconter le jour où j'ai croisé Tina, j'irais ma vie à basculer depuis que ton regard se sent croisé. Des vies entrées dans ma vie sans prévenir.
pressé de rejoindre ma team J-Con pour notre premier concert ce soir en Martinique à l'Arobase qui est affiché complet. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Alex Garbi. Continuer avec Albert Vignier qui est le percussionniste. Pareil, c'est l'un des meilleurs percussionnistes à Paris. Forcément, dès qu'on a une scène là-bas, c'est lui qu'on appelle, donc on se connaît depuis 30 ans. Donc Albi, on fait un groupe, tu viens, tu embarques. Et il vient avec sa vibe, avec son groove, avec ses compositions, et tout se passe très bien. J'ai comme un petit sentiment de liberté en plus, parce que je pense que quand t'es en carrière solo, Tina, toute seule, enfin voilà, la lumière elle est vraiment sur toi. Elle est vraiment sur toi. Et du coup, même si voilà, j'ai toujours tout donné sincèrement au public, là du coup on a une lumière mais sur 9 personnes. Et je crois que du coup, bah, j'en profite, quelque chose que j'ai jamais fait, je pense, en tant que Tina toute seule sur scène, donc, maintenant voilà un peu plus, mais je crois que je fais un peu plus le clown. Et je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête, du coup je suis, voilà, comme j'ai dit, je crois que je suis encore plus moi-même que dans ma propre carrière où des fois, bon allez, je fais ma belle, je suis gentille, je fais mes chansons Zouk Love, plein d'amour et tout, alors que là on est sur du Zouk Chiré, up tempo, donc là je m'éclate et tout, je danse comme une dingue sur scène, je rigole avec les gars et je kiffe en fait, voilà. Bon, on va rester amis, hein. Je t'aime bien. J'aime énormément parce que je suis avec des amis, je suis avec des potes et on s'entend bien. C'est surtout ça. À partir du moment où on s'entend bien avec les musiciens, on fait de la bonne musique. Si on s'entend pas, c'est pas la peine. Vous la connaissez, hein? Vous connaissez pas moi? Et change pas. Tu commences pas. De la pluie contre le tonnerre, on s'en fout. Et la dernière de toutes les guerres sera sans nous. Même si le monde entier s'écroule autour de nous, il en restera toujours assez pour les fous. Ma génération sauvage, mais l'amour en toi, sauvage. Ma génération.
répété. Régozote pour pas chavirer. Attends-y-moi. Maintenant, on m'associe vraiment à Gicande, en fait. Je m'y attendais pas du tout. Parce qu'avant, c'était Tina. Et que ce soit, même là, quand je passe les passeports à l'aéroport d'Orly, on fait Tinali, Gicande. En fait, je suis choquée. Ou bien quand je vais au supermarché, je suis en Martinique, je suis en train de faire mes courses. Ah, Tinali, ouais, Gicande et tout. Et en fait, ça me fait à la fois bizarre, mais je suis super contente. Parce que bah, les gens ont vraiment... associer à la fois ma carrière solo et celle dans le groupe et de voir aussi que quand ils prononcent le nom Gicande, il y a le sourire qui est jusque là et de voir qu'en fait je pense qu'ils apprécient en fait. On se connaît tous, on a tous une histoire ensemble. Par exemple, celui qui est devenu le chef d'orchestre faisait partie de la formation de base avec laquelle on devait faire ce concert en mars 2020. Thierry Jean-Pierre, JP Groove, c'est le bassiste, c'est le chef d'orchestre et c'est mon plus vieil ami dans le groupe. Guy André, le chanteur d'origine martiniquaise, on s'est connu au lycée avant que je vienne en Guadeloupe. Il poussait déjà la chansonnette, il était déjà le crooner à l'époque. Moi j'avais arrêté la musique en tant que frontman, en tant que chanteur. Je m'étais vraiment mis au service des autres artistes, à être plus réalisateur. C'est un jeune homme qui touche à tout. Donc il joue de la basse, il joue du piano, qui sait qu'à faire encore. Je vois qu'il il joue de la guitare aussi. Ouais. Ah, ben, justement, avant tout, c'est un guitariste hors pair. Et c'est lui qui fait le mix, c'est lui qui fait le mastering. C'est lui qui corrige, c'est lui qui enregistre les voix. On enregistre les voix chez lui. Le bassiste vient, soit il enregistre chez lui ou soit il enregistre sa basse chez Ali. Le guitariste, pareil, il vient enregistrer chez lui. Non, lui c'est vraiment le poteau mitant, c'est lui qui est là et qui gère tout ça. C'est lui qui fait le montage des clips. Par exemple, Pas besoin de parler, c'est lui qui a fait. Le medley zouk, il a mis la main à la pâte aussi. Non, franchement, c'est un gars qui est vraiment doué, il m'impressionne. Mais moi, je le connaissais en tant que chanteur. Et là, en tant que technicien, le mec, il touche. Il faut le vivre pour le croire. Voilà. On peut dire qu'on est un petit peu de la même génération. On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même histoire, mais on a cet amour pour le zouk, cet amour pour la musique live. Et c'est vrai qu'au sein de Gicande, je me sens bien. On s'entend vraiment, vraiment bien. Chaque musicien dans le groupe est un créatif. Je compose et j'écris aussi. Donc quand on fait les ébauches de nos sons, ça rentre en cabine, ça fait des mélodies, on trouve des idées, des thèmes, on crée
nos thèmes et après, justement, avec les musiciens aussi, ça développe, ça donne des idées, donc ça fait des arrangements et tout ça, et ça crée la magie. Let's go. J'apporte beaucoup de mélodies dans les titres. J'écris moins, ça c'est vrai. De toute façon, c'est vrai que ça, j'ai toujours été comme ça. C'est plus facile pour moi d'apporter des mélodies que du texte. Tina, elle m'impressionne. Tina m'impressionne parce qu'elle est très très douée. Elle est volontaire. Elle ne baisse jamais les bras. Et elle a une énergie, un peps que beaucoup de femmes pourraient ou lui envient, ou devraient lui envier. Quand on me connaît de déjà, même avant Gicon, c'est vrai que j'aime beaucoup parler de ce que la femme, de ce que je ressens moi aussi en tant que femme. Et toujours, si on écoute bien les chansons, on part toujours d'un événement qui peut être un peu difficile à vivre, triste. Mais j'emmène toujours le texte pour que ça va vers une fin plutôt positive. Voilà, c'est super important parce que je pense que le public, quand il écoute une chanson, déjà, il a envie de s'y retrouver. Généralement, j'ai mes ébauches. J'arrive toujours à trouver mes refrains, mes mélodies de couplets, tout ça. Je commence à vraiment progresser à ce niveau-là parce que, ouais, faut bosser. Et on arrive à toujours trouver le juste milieu pour trouver la très bonne idée. Alors, c'est une musique basée sur le zouk, principalement. Et on peut avoir des influences. Alors, nous, on est ouvert à tout. Alors, sur l'album, je prends l'exemple de l'album de Gigant, on a un compas zouk. On a un autre qui est un tempo plus élevé. Comment on appelle ça ? On peut dire que c'est un soca jump-pop zouk. Mais il y a toujours cette consonance de zouk. Hey. On enlève, on enlève.
in a cappella. We jump it up, we jump it up, we jump it up, we jump it up. Keep on it up, keep on it up, keep on it up. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va toujours? Lève la main, lève la main, lève la main. Oui, 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 oui. Keep on it up, boy. Keep on it up. Keep on it up, baby. Keep on it up. Keep on it up. Keep on it up, boy. Keep on it up. Keep on it up, baby. Keep on it up. Et là, quand on est passé. Regarde bien toutes les scènes qu'il y a eu à Paris depuis 30 ans, il sera là. Que ce soit les Bercy, que ce soit Edith Lefebvre à l'Olympia, c'est lui qui est là. C'était le percussionniste du groupe Séquence, de beaucoup de groupes à Paris. Il a joué avec tout le monde. Ça veut dire qu'il a un métier, il apporte quelque chose qui est dans son sang. On a Thomas Bellon, qui est l'un des plus jeunes, et qui lui, pareil, il a le live dans le sang. Guy André était le chanteur du groupe Taxi Créole. Moi, j'étais dans le groupe Théorème. Alex Caddy a joué dans combien de groupes live? En fait, si tu veux, c'est pas seulement un groupe de musiciens qui savent jouer de la musique, qui se retrouvent, mais ce sont des musiciens qui ont une expérience et qui ont envie de défendre un zouk qui traverse toutes les générations, puisqu'on est multigénérationnel. On est capable de faire un peu de tout. Greggs amène un côté R&B, Guy amène un côté plus crooner, Tina c'est Zouk Love, moi aussi c'est un peu Zouk Love. Donc on a un panel assez large. Assez large et on a envie de tout défendre. Il y a différentes facettes dessus, de par aussi la personnalité de chacun, et c'est ce qui est très intéressant. Poulet, 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 po
vis de loin ce qui se passe aux Antilles. Moi, je suis à Paris et j'entends de loin. Eh, ça tourne. Eh, les radios, ils le passent. Les gens, ils aiment. Je reçois des appels, des mecs en Guadeloupe qui me disent « On veut vous faire venir jouer !» Ça me rappelait ce qui m'était arrivé déjà avec Théorème, où j'étais à Paris, et je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Et pour moi, c'est quand je suis venu aux Antilles, et que j'ai vu comment les gens m'ont reçu. J'étais même plus à Ali Angel, j'étais « Hey, Chicon !» Et quand je parle avec mes autres amis, ils me disent « Toi aussi, ça te fait ça. Toi aussi, on n'est plus Tinali, on n'est plus Guy André. » On est Jikan. Et ça, c'est vraiment incroyable. On n'est pas encore monté sur scène. Et on a déjà cet amour qu'on reçoit. On a déjà ces médias, ces gens dans le public. Ces gens à la plage. Jikan, Jikan, on veut. On en veut d'autres, on en veut d'autres. Et ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Pour un projet en plus qui est collégial, qui est avec des amis. Ça a été formidable. Alors évidemment, les quelques concerts que nous avons pu faire m'ont marqué parce que on est en train de confirmer ce qu'on a fait en studio et puis de prendre du plaisir à le faire. Mais c'est vraiment cette sensation d'avoir réussi à toucher le cœur des gens. Ça, c'est ça vaut tous les disques d'or pour moi. De passionner les gens, de leur donner envie, de nous en demander d'autres. Ça veut dire qu'on a atteint un but. Créer une musique qui est la nôtre, tout simplement, de par le zouk, et d'aller plus loin que nos frontières, tout simplement, de chercher toujours plus loin. Alors, pour moi, tu sais, j'essaie d'être assez fidèle à l'histoire. Je pense que pour qu'on soit considéré vraiment partout, il faut d'abord qu'on soit fort chez soi. Évidemment, on a envie de conquérir le monde entier. On ne fait pas de la musique pour chanter dans son quartier. Mais je pense que si on réussit à montrer que le zouk vient d'ici, et c'est important surtout en ce moment où le zouk a été est devenu la musique numéro un dans tout ce qui est musique urbaine en Afrique, en France. C'est-à-dire tous les chanteurs, tous les rappeurs, ils font du zouk aujourd'hui. Alors, c'est pas le même zouk que nous, mais on retrouve l'essentiel, quoi. Faut qu'on sache d'où ça vient. Et d'où ça vient d'ici. Donc, moi j'ai envie qu'on soit fort ici. Il ne faut pas oublier que quand Kassav remplit des zéniths, c'est grâce à son travail ici. Ensuite, effectivement, ils ont. Enfin, je me semble dans la chronologie, mais l'Afrique s'intéresse à eux parce que ben ils sont puissants chez eux. Ils sont puissants aux Antilles. Donc oui, on a envie d'aller là-bas. Mais pas en étant faible chez nous. Ça n'a pas de sens pour moi. Il faut qu'ici on représente vraiment la musique antillo-guyanaise, qu'on ait fait des petits aussi, que des petits groupes viennent se greffer à ça, qu'on ait donné envie à les orchestres d'abandonner peut-être le chata ou d'autres choses. Alors, sauf que j'ai rien contre le chata, mais bon, ça vient pas de chez nous, quoi. Donc qu'on se remette sur le zouk, qu'on redonne envie aux DJ de diffuser du zouk. Et c'est comme ça qu'ailleurs on va se dire mais il se passe un truc là. Moi j'ai voyagé énormément dans ma vie en tant que musicien. J'ai été présent lors de l'avènement de la Kizomba. Et c'est exactement ce que je vous dis, c'est la Kizomba est devenue tellement puissante chez eux, au Portugal, en Angola, au Cap-Vert, au Mozambique, dans toute la diaspora lusophone, que le monde entier a commencé à s'y intéresser. Et là, c'est pareil. Il faut que ce zouk-là, qui est le zouk local, en créole, avec du live, avec des cuivres, on est les seuls à le faire. Il faut que les Antillais l'adoptent, le reprennent dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur voiture, dans leur AirPod. En France, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, tout partout. Même si on peut faire tout l'archipel caribéen, je suis d'accord, je suis preneur. Afrique surtout, moi je veux jouer là, pour les frères. Et si on peut aller au Japon, n'importe où, il faut que la musique de Jikan soit écoutée partout. C'est vrai que ça fait peut-être prétentieux, mais si on n'a pas cette prétention, je pense qu'on reste là et puis on se repose sur nos lauriers. Non,
J'ai qu'on a encore des preuves à faire, on n'est pas encore arrivé, c'est les balbutiements. On prend ça comme référence. Si on peut avoir leur histoire, l'histoire de Kassav, moi je suis preneur tout de suite, je signe. Et donc nous, si on peut arriver quand même, mais on ne sera jamais le Kassav, je tiens à le dire, on n'est pas le nouveau Kassav, mais si on peut avoir leur histoire, moi je suis preneur tout de suite, je signe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort, encore une fois, Laurent Tulle au piano. Je vais vous demander d'applaudir bien fort. Thomas Bellon à la batterie, s'il vous plaît. Karine Mac. Applaudissez. À la basse, JP Group, s'il vous plaît. Ben voilà, hein, JCAN, 10 novembre 2023 au New Morning. Ça y est, la date est faite. Ça a été explosif. Très bonne vibe. Là, j'ai croisé quelques personnes du public. En fait, les gens ont kiffé. On avait déjà donné une bonne énergie au pays quelques mois avant. Là, ça a été le baptême parisien parce qu'on n'avait pas encore fait de date live sur Paris et même en France. Donc là, c'est le baptême et le début d'une très bonne et longue aventure avec de la très bonne vibe. Là, il y a eu l'échange avec les gens et notre répertoire est un peu destiné à ça. En fait, c'est pour partager de l'énergie, de bonnes énergies, que les gens prennent leur pied et avoir un côté authentique déjà par rapport à notre musique et le zouk. Yeah, big up. Ah, c'est à moi ? Oui. Laurent, tu l'as été présenté ? Oui. Thomas Bellon. Théorème, c'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Ali Alkier. Compas. Alex Garbi. Le meilleur pour la fin. Le respect. Le tonton. Tonton des tontons. Tonton. La perquis. Monsieur Albi. Qu'on a présenté tout le monde. Ouais. Ouais, je veux juste remercier le public encore une fois. Exactement. Merci à vous. Merci. Merci. Je vois tous mes amis qui sont là depuis très longtemps, qui m'ont donné la force. Il y a des gens qui écoutent du rock ici. Ils sont venus écouter du zouk. Et écoutez bien, le zouk n'est pas mort. Écoutez bien cette phrase. Le zouk live n'est pas mort. Adios. Merci d'aimer JCAN. Bannons la main bien fort, s'il vous plaît. JCAN ce soir, c'était JCAN au New Morning. Merci. L'amour. Hey. Et vous chantez avec nous. On leur fait une dernière fois. Oui, ils vont chanter. En noir. Okay. Hey. C'est pas beau. C'est vrai qu'à chaque scène, on a fait la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Et à chaque fois, le public nous a surpris, en fait. Il nous a surpris parce qu'en plus, on chante devant eux des titres qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est une présentation de notre tout premier album, l'album de JCAN, Minoula. Et en fait, sur chaque titre, je pense que vous avez pu le voir ce soir, ils sont là, ils chantent, ils répètent les refrains avec nous. Et c'est ça, c'est ça la musique, en fait. Et donc, on est vraiment, vraiment contents. Enfin, moi, là, j'avoue, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et non, franchement... ça donne envie de continuer. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si c'est un superbe concert ce soir, JCAN, c'est incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a vraiment une belle ambiance et on danse toute la soirée.
Comme d'habitude, toujours parfait, toujours génial, toujours de la bonne musique. Donc on attend le prochain concert sur Paris avec impatience. Bah, c'était incroyable, merci. Eh bien, ravie d'avoir assisté à ce concert, super ambiance, bonne énergie sur scène, bonne interaction entre les musiciens, les chanteurs, et puis l'ambiance, la réception du public. Que dire ? On attend la suite. Allez, Jicorne ! Merci ! C'était Jicorne, à la prochaine, mon beau. Merci, 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 merci.